rideau de ténèbres marche de la poussière. Le cœur dilate depuis des heures, il pousse la lueur. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vous n'avez absolument rien vu de cette scène. Elle est beaucoup trop vite pour vos yeux. Alors nous allons vous la refaire au ralenti, doucement, et observez bien. Ah, les cow-boys, ils adorent ce numéro. One, two, three.
scalpés, ils gisaient de leur peau et crevaient doucement. Maintenant, un numéro tout en force et en souplesse des deux frères Zalabor et de Martin, les acrobaties. Sur une musique envoûtante, les gros bras travaillent avec élégance. Les poulets bien, j'ai fait pour raconter mon voyage à Paris que j'ai fait en octobre dernier. Vous savez, là-bas à Paris, il y a des choses pas comme ici en Suisse, en Avenzelle. J'étais à Montparnasse et au Moulin Rouge. Donc, bref, j'étais à Paris et j'ai été dans un petit boui-boui. Vous avez un petit boui-boui, on fait des choses pas très catholiques, hein, vous voyez quoi. Dans ce petit boui-boui, il y avait une superbe blonde. Seulement, il y avait un petit problème, c'est que moi, je parlais pas le français. Elle ne comprenait pas les Suisses allemands.
Alors, pour communiquer, elle avait un petit carnet rouge sur lequel elle me désignait ce qu'elle voulait. Alors, au début de la soirée, elle a pris son petit carnet rouge et elle a désigné une bouteille de champagne. C'est une vie très, très intelligente, très intelligente. Alors, je suis descendu et j'ai été acheter une bouteille de champagne. Après, au milieu de la soirée, elle a repris son petit morceau de papier. Elle a désigné, vous savez quoi? Une paire de genoux. C'est une vie très, très intelligente, hein, vous savez. Alors, j'ai été sur ses genoux et on a fini aux hommes la bouteille de champagne. Très, très bon. Et puis, à la fin de la soirée, quand on était très, très bien parti, vous connaissez ça aussi, elle a repris son petit morceau de papier. Elle a désigné, vous savez quoi? C'est une vie très, très intelligente. Elle a désigné un lit. Elle a tout de suite compris que je travaillais chez Meubles Pfister. Simone, oh, il y a 50 ans, on était parti en voyage de noces. Avant? Mais oui, tu te souviens, on était allé à Rimini. Ah. Même que ça, on a été dans un petit hôtel. Tu te souviens? Mais oui, il y avait même un banc. Ah. Puis sur ce banc, il y avait deux amoureux. Oh. Mais oui, même qu'on leur avait jeté un seau d'eau sur la tête. Je m'amuse pas à ces jeux-là. Mais oui, Simone, tu te souviens, c'est ça où t'étais rentrée toute mouillée. Ah ouais, c'est très bon. Ah, tous ces souvenirs, ça me réchauffe le cœur. Tu vois pas que c'est ton soutien-gorge qui trempe dans la soupe? Ah, le lit, la bonne et moi, le lieutenant Colombo, E.T. et vos héros de Dallas, dans une super production du Cirque Zélébor, intitulée Un lit. Mais avant, une petite présentation s'impose. S'il vous plaît, les acteurs. Tout d'abord, la première famille, la famille Caille. Avec Papa Caille, Alex. Maman Caille, Frida. La fille Caille. Frida également, et la petite cousine de Suisse allemande, Giovanna Caille. La seconde famille, la famille Wood, avec Sandra Wood, maman, Papa Wood, Nicolas, et notre cher fiston Robert. Et également l'aimable participation du facteur Robert. Toc, toc, toc. Entrez. Robert. Bonjour. Joli tableau de votre temps, Robert. Quel tableau? Allez, c'est de nénette. Là, de beau. Hé, chut! Les gens qui nous écoutent. Le fléjeux. Oh, bien, tout bien. Et ça va pas, il part plus doucement. Elle est peut-être comme elle est moulée, hein? T'es royé. Oh, des bleus, sent bien. Joli mollet, tout et tout, hein? Et après, Robert? Quoi? Les invite pour les slots. Quoi?
voulez slow? Non, 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 moi je reste ici, non, non, tu sais, tu connais, non, non. Je suis sûr que celle de derrière là-bas, là, celle que rose, hein. Non, non. Tu vas la vite après. Non, non, je reste ici, je vois mon verre tranquille, non, non. Et Robin? Quoi? Les slow. Ouais, dans le sujet, je reste ici. Non. Allez, Robin. Vas-y, regarde, allez, la marche. Et non, mais, et... Hop, hop, oh, mademoiselle. Que je vous ai déjà vu, monsieur. Vous appelez pas des fois mademoiselle. Frida. Mademoiselle Frida, voilà, c'est ce qui me semblait. Frida, puis. Vous êtes pas la copine des fois, bien. Non, je suis la cousine. La cousine, c'est pas ce qui me semblait. Ah, bah, si Robin. Non, non, mais, hé, c'était pas prévu, hé. Robin, qu'est-ce que je fais? Attaque. J'ai tout, Robert. Salut, salut. Facile. Salut les gâteaux, ils adorent ça, les nénés. Ouais, ouais, facile à dire. C'est fini. Ah oh, déjà. Là, c'est la fin, hein, ben, copain, hein. Tu crois qu'il faut? Bah si, c'est contracté. Vas-y, assieds-toi. Et dis donc, beauté. Est-ce qu'il s'est ouvert? T'es déjà bien quelque part ou bien? Tu crois vraiment? Oh oui, je suis sûr. Tiens, Robin. Laisse ta peur. Il est en cocotte. Habite où? J'aimerais bien savoir. Hein? Oh oui. 32 bis rue Machin. Ah, 32. Je peux noter? Oh ouais. Merci. Ça orbe, hein? Ah, orbe. Et puis toi, c'est quoi ton petit nom? Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Nicolas. Ah. Et puis ton adresse, c'est quoi? En tout cas, j'habite toujours chez mes parents. Et puis l'adresse de tes parents, c'est quoi? Deux chemins de l'étang. Tu crois pas que c'est l'heure qu'on doit rentrer? Ouais, ouais, c'est l'heure. Déjà? Il se fait tard, ouais, il se fait tard, Robert. Et Robert, on s'accompagne. Tu crois qu'il faut? Mademoiselle. Bon, on se dépêche, allez. Mais comme t'as été, elle avait ridicule, donc je le gardais. Vas-y, Robin. T'as vu ça? Ouais, t'as vu ça. J'ai vu, ouais. En compte. Dis donc. Il entend peu vache avec la petite nénette, là. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Elle faut non, Nicolas, là. Bah, heureusement, tu te rends compte, les ennuis que je me l'ai tiré. Dis donc, elle était pas si mal que ça, entre nous. Ouais. Puis... Quoi? J'ai écrit une lettre là pour Frida. Comment? Une lettre? Eh oui, tu peux pas. La blonde là? Là, bien sûr, là, la petite blonde là. Mais. Tu peux pas lui glisser là devant ton lettre? Ah, tu plaisantes, j'espère. Non, jamais. Tu sais que le patron après va gueuler. Mais le patron, tu le laisses de côté. Hein? Mais des trucs comme ça, ça se fait pas, Robert. Je connais plus en tout, allez. Maille pas. Qu'est-ce que je vais prendre du Le lendemain, chez Madame Kai. Au revoir, chérie.
bonjour, madame. J'ai une lettre pour Frida, tenez. Ah, une lettre pour moi, merci. Non, 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 c'est pas pour vous. C'était pour votre fille. Bon, bah, tant pis, hein. Ah, salut, Nicolas, mais, ça va? Je vous connais pas, mademoiselle. Mais si, hier soir, à la discothèque. Ah oui, je me souviens vaguement. Je voulais juste avertir, hein. Si je savais, je t'aurais donné la lettre, je l'aurais pas envoyée. Ouais, d'accord. Salut. En tout cas, celle-là, ben, je l'ai bien eue, hein, qu'on faut donc. Oh, une lettre pour moi. Mon trésor. Oh. Depuis hier soir, je ne vis que par toi. Oh. Ton visage me poursuit jour et nuit. Je t'aime plus que tout au monde. Ton petit Robert adoré. Oh. Tiens, une lettre pour mon mari, Nicolas Wood. Bizarre, je connais pas cette écriture. Du parfum, ça peut pas être la banque. Bizarre, pourtant je peux quand même pas l'ouvrir. Mais, bon, je l'ouvre. Hein. Mon amour, je ne pense qu'à toi depuis cette soirée merveilleuse. Une soirée? Tu es la beauté de la nature, mon cœur ne bat que pour toi. Ha! Quel culot! Celle qui t'aime et qui t'adore. Oh le con, ça va pas se passer comme ça. Engage un détective. Allô, oui? J'aimerais un détective. Qui soit déguisé. Qu'il arrive vers midi. Ouais, mon mari n'est pas là, ça ira très bien. Deux chemins de l'Est, Nicolas Wood. Bien, au revoir. Salut chérie. Salut Nicolas. Oui. Qu'est-ce que tu fais là à midi? Bah moi je viens dîner, tu vois. Ah bon? T'avais pas une conférence? Oh bah la conférence a été à journée, parce qu'il y a l'école qui est tombée malade, je me suis dit, je vais faire un petit gueule temps à la maison, tu vois. Mais moi j'ai rien à manger, tu veux pas aller au restaurant? Oh non non, moi je suis très mal là-bas, c'est un fouet, moi j'aime pas ça. Le frigo est plein là. On va faire un petit gueule temps, ça va être super. Tu vas voir ça, comme ça, tête à tête. Extra. Salut mec, c'est Irma la bonne. Irma la bonne, vous n'êtes pas trompé d'appartement. Non, non, pas du tout. C'est toi qui as joué une banne? Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'une banne? Parce qu'on sera bientôt quatre, attends. Mais c'est merveilleux, c'est fantastique depuis combien de temps? Depuis 2 mois, j'ai été chez le médecin, ce matin il m'a conseillé d'engager une boîte. Vous voyez, il m'a conseillé d'engager une boîte de moi, Irma la bonne. Vous pourrez vous occuper de ma femme comme ça. Et puis de vous, je peux m'occuper. Non, moi le moins souvent possible. N'importe quoi. Un peu de tonneux, s'il vous plaît. Hein? Bon, la voisine, Frida, elle organise un week-end à Verbier pour l'événement. Mais c'est fantastique, super! Non, pourquoi ça? Oh non, je suis très heureux, moi, t'es enceinte, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, c'est fantastique, tu sais. Super! N'importe quoi! Bonjour madame, je suis le lieutenant Colombo. Votre mari m'engage pour le vol de son tableau de bord et de son volant. Non! Si. Ah, bonsoir.
un certain Colombo qui est là. Ah, oui. Je sais pas ce qu'il veut. Ah, lieutenant, comment allez-vous? Bonjour. Ah oui, chérie, là, concernant mon... On a volé mon tableau de bord et mon volant. Non, mais c'est une catastrophe. Mais tu sais, en parlant de catastrophe, la Sandra Wood, oui. Elle a toi un gosse. Oh, tu te rends pas compte? Et tu sais, à l'honneur de ce petit-là, là, qui a bientôt oui. venir, j'ai organisé un week-end au chalet à Verviers. J'ai eu raison? Oui, oui. Parfait. Et je te laisse avec lui, parce que oui. moi, je connais pas. Hein. J'ai juste une petite question à vous poser. Oui. Vous avez pas vu mon chien? Non? Je l'avais dit à ma femme, hein, je l'avais dit, il faut pas le détacher quand elle le promène. Comme avec ses petites pattes, il file qu'on le retrouve plus. Hein. Comme prévu, Madame Caille et toute sa racaille reçoivent ses invités, la famille Wood, pour passer un week-end tranquille à Verviers. Ah, les voilà. Je regarde. Ah, bonjour, Sandra. Salut, allez, allez. Ah, c'est la grande forme, ouais, le boulot, bien. C'est bon, ok. Nombre deux. Ma chère fille dame, vous êtes ravissante. Non, non, mais s'il vous plaît, un peu de tenue. Un peu de tenue. Non, non, mais un peu de tenue, s'il vous plaît. Allez, hop. Oui. Et allez, Robert. Ah, bonsoir, Robert. Ah, oh, voilà. Là, je présente à la vie de faux. Robert, pour les intimes. Roby. Mais, ça a bien fait de l'amener. Très bien. Bonsoir, Roby. Bonsoir, bonsoir, madame. Oh, c'est le bienvenu, tu sais. C'est gentil, merci. Allez, je te laisse avec les enfants. D'accord, au revoir, madame. Eh dis donc, Robert. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ce soir, je vais me farcir la caille. Eh ben, ça va bien parce qu'il y en a un soupé. C'est Dieu, cette folle. Tableau. Oh, voilà le colombo. Madame Caille, je crois qu'il y a quelqu'un là. Coucou, il y a ton colombo. Oui. Quel nouveau l'honneur? Je cherche mon chien. Vous n'avez pas vu son chien? Non. Non, non. Je vous invite à boire un verre, n'est-ce pas? J'en vais pour le service. Je suis Irma la bonne. N'importe quoi. Bonjour, vous êtes la nouvelle bonne? Oui, c'est moi, Irma. Et entre nous, tu peux me tutoyer parce que je suis une bonne cool. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as l'air drôlement cool. Tu sais, j'ai bien envie de te confier un secret. Oh oui, j'adore les petits secrets. Mais tu te tais, hein? Rien à mes parents. Moi, tu sais, bouche cousue, je connais, c'est mon métier. Ok. Tu sais, l'autre soir, quand je rentrais à la maison, ben, je suis sortie, tu sais, de temps en temps, comme ça. J'ai trouvé un vélo au bord du, sur la route, au bord, il est appuyé contre le mur. Non. Ouais. C'est pas vrai, tu te l'es trouvé, hein? Ah bien, hein, pas trop gonflé. Ah ça c'est super, il est pas... Ah ça c'est bien que tu sois pas... Parce que tu sois gonflé... On sait jamais à quoi ça tenait. Ouais, et puis il est comme un corps d'ivoire. J'ai l'impression qu'il a déjà bien roulé. Ah ben, c'est déjà bien. C'est bien, ouais. Ouais. Et puis, raconte. Mais tu sais, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu vieux. Oh ben c'est de les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. T'en as bien bonne. Mais continue. Et puis, il est grand. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir monter dessus. Oh, de ces cas-là, de ces cas-là, on se débrouille toujours. Tu viendras un soir l'essayer avec moi? Oh, chic, essayer avec toi, super! Ça ne peut pas à ton âge! À 14 ans pourtant, ta mère et moi, t'as bien élevé!
Oh, écoute, papa, 14 ans, il y a comme des choses qu'on peut faire. C'est fou ce côté vieux jeu. Ah, ça fait vraiment trop vieux jeu. Ah, elle est bien bonne. Après une excellente soirée, la maîtresse de maison distribue les chambres. Très bien, nous allons organiser ces chambres pour ce soir, hein? Madame Caille? Oui. Vous sentez mauvais. Est-ce que je pourrais vous demander une petite faveur? D'après ce que vous venez de me dire... Écoutez, j'aimerais bien dormir avec votre fille. Oh oui, maman, s'il te plaît. Oh oui, maman, s'il te plaît. Il n'arrive pas comme ça, hein, et c'est la porte. Bon, mais alors, au moindre bruit, hein, dehors. Oui, maman. D'accord. Bon, je vous donne la chambre à neuf, hein. Oui, mais maman. Silence, hein. Oui, maman. Vous avez dit, madame, la chambre à neuf. La chambre à neuf, mais les deux, Robert, là, vous êtes dans la chambre 6. Ah, c'est pas grave, c'est... Ah. Sandra et Nicolas, la chambre 3, ça vous va? On se compte au 3. Bon, Giovanna, je suis désolée, tu sais, le chalet, il est petit. Oh, il n'y a plus que la grange. Bon, il y a du foin. Ça pourra aller, ça t'irait? Ouais, ouais, j'ai l'habitude. Ah, bien. Elle a l'habitude. Hein? Et les petits mecs, là? Il paraît que vous dormez dans la chambre 6. Oui. Il se fait tard, Robert. Hein? Oh, il se couche, Robert. Hé! Hey, ouais? Je peux dormir à droite? Toi, tu dors où tu veux? Moi, tant que j'ai une place dans le lit. Le reste? Je veux vous dire, ça, c'est le meilleur moment du sketch. Je peux pas dormir, je vais faire un tour. T'as qu'à rester au lit, toi. Hé, Robert! Oui. Toilette! J'ai un petit besoin. Dépêche-toi, fais vite, s'il te plaît. T'inquiète pas. Oh, c'est déjà là, la chambre neuf. Tiens. Aïe, Robert, j'ai tout fait.
Grand-mère, il se plaît, il a grillé un peu, il est monté là. Grand-mère, c'est toi? Bonsoir, Robert. Mademoiselle Frida. Ça te dérange si je dors toute nue? J'ai un petit verre, on a soif. Il était pas mauvais cet apéro, hein. Ça donne de lui une idée. Alors ça sent un œuf, hein. Regarde, Bibi, ça fait un 6. Oui, il y en a encore un là. Ah ça, ça va être 6. Hop, mais ça sera un 9. On va bien rigoler. Yep. Je vais dormir dans l'armoire. Oui, je vais aller vers mon petit Robert. Robert, quoi qu'on me vole là? Ah, ma fille, la gare. C'est lourd les cadavres. Referme vol là. Oh, mon petit Robert. Robert, Robert, j'ai une femme dans mon lit, qu'est-ce que je fais? J'en ai aussi une. Vas-y, attaque, moi j'ai fini. Faut que je dise à mon fils ton Robert qui demande excursion puis qu'il se lève tôt, hein. Je suis là pour... Chambre 6. Voilà. Ah, toi Robert, le facteur, avec celle que j'aime après ma femme. Meurs, chien. Non, ah. Assassin. Ah. Il me semble là quoi. Oh, ben dis donc, comment ça va être serré dans cette armoire? Ah, ben mademoiselle Frida, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous sentez pas bien? Ah, ben, je crois qu'elle est évanouie là. Je vais la remettre dans son lit, hein. Voilà, on va faire un bon dodo, et puis demain, ça ira mieux. Oh, mais la porte, elle tout seul, et hein. Ça, c'est pratique, alors, hein. Voilà. Oh. Alors, je retourne dans l'armoire. On m'y prenait pas deux fois en tout cas.
Mademoiselle Frida! J'ai un aveu à vous faire! Je vous aime! Dis donc, mademoiselle Frida, vous allez rouler, vous avez. Vous êtes froide? Encore plus froide qu'un œuf! Qui c'est qui l'a tué? C'est moi! Ah si. Qui dit téléphone maison? Non. Ça n'a pas, c'est toi qui paye la facture téléphone ou bien? C'est pas tous les jours. Mon fils! Ah, pourquoi on a tué mon fils, lui qui était si sage? Eh mais c'est complet là, bon, je t'en prie. Oh mais dis donc, quel week-end, tranquille. Excusez-moi, je fais que de passer. Dis donc, vous là. C'est vous qui tuez tout le monde ou bien? Non, moi je tue personne, je me promène là, c'est tout. Ah, banni des dieux, qu'avez-vous fait à mon fils chéri? Il ne méritait pas ça. Vous, vous méritez la mort. Aïe, je me meurs. Mon sang se vide. Je me sens mourir, oh Dieu, aidez-moi, j'ai déjà un pied dans la tombe. Je suis presque morte, ça y est, je suis morte. Pierre, mon mari. Ah, il reste. Il y a quelque chose qui me tracasse, hein. Du temps. Pardon. Lieutenant. Oui. J'ai trouvé pour mon tableau de bord et mon volant. J'étais assis à l'arrière de la voiture. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, ben... Vous n'avez plus besoin de moi, l'affaire est résolue, hein. Au revoir. Bon, nuit tragique dans un chalet à Verbier. En ce moment, nous n'avons pas beaucoup de renseignements, mais nous pensons à un règlement de compte entre deux familles. Le lieutenant Colombo est chargé de l'enquête. C'est vraiment dégueulasse, hein. On me laisse toujours toute seule, on me met dans la grange et puis on m'oublie. Oh, t'en fais pas, on va t'arranger ça. Ah, oh, bon. Oh. Oh.
Un, deux, trois. N'importe quoi. Salut. Qu'est-ce que ça serait pas possible d'avoir un billet pour Moscou? Un billet pour Moscou? Ouais. Mais t'es fou? Pourquoi? Mais on peut seulement t'emmener jusqu'à Vienne. Et pourquoi ça? Ah, on peut pas. Bon, bah. À Vienne, tu demandes un billet pour Moscou. Ouais. Dehors, attends que je réfléchisse. Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Voilà. Guten Tag, Herr Bahnhofer. Je wünsche voler eine Fahrkarten zum Moskau. Ah, tu veux un billet pour Moscou? Là, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, mais on peut pas, on est désolé. Hein. Ah bon? Non. Ah bon? On peut seulement t'emmener jusqu'à Varsovie. Cette histoire. Et à Varsovie, tu demandes un billet pour Moscou. Ouais. On peut faire autrement. Bon, bah, je vais aller. Bah, ok, ça va. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Tiens. Merci. Bah, tiens, Badouska, et je voudrais un billet pour Moscou, bah. Popov. Là. Capitale Popov. Là. C'est ben, dingue, dada. Ah, Moscou, ville de mes rêves, Russie, pays fantastique. Toi, le Kremlin, planté ici depuis quelques siècles. Et la place rouge, c'est vraiment magnifique, ces défilés militaires, cette relevée de garde. Toi, le cousin Brejnev là-bas, qui donne à ton pays tout ce qu'il a besoin, même ce qu'il n'a pas besoin. C'est vraiment fantastique, j'adore la Russie. Déjà samedi, tiens, il faut que je rentre, moi, chercher mon billet à la gare. Salut mon pote, comme il faut se présenter, t'appelles comment? Pas comme. Pas comme, putain. Ministre. Mais t'es pas communiste, moi non plus, ça va bien. Dis moi, pourrais pas me donner un billet pour puis. Puis nord, puissante. Maintenant un numéro qui plaît à tous les acteurs. En effet, la délicieuse Sandra a réussi à mettre à genoux notre cher directeur. Un numéro pas triste du tout, le directeur Maté. Thank you.
Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de notre spectacle. Mais pour finir en beauté, une petite salsa pour réchauffer les cœurs ne pourrait faire de mal à personne. Le spectacle est terminé, mais la fête va commencer. Musique, c'est la fête! Chassant les puceaux en fuite, le démon du sexe m'invite. Venez là mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. Thank you.
suis un boule, je suis un rite. Oui, 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 je vis dans mon ordure. J'ai plus la sphère, l'alexir. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai des poils partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je suis une claque. Quand je vois une vieille, je vis pire son sac. Je crache, je rate, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui, c'est la fête. Pire là, malheur à ceux qui m'aiment pas. Oui, 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 mon cœur est en fer. Je fais amour comme une panthère. Les hommes, je les écorche vite. Et je les fouette, je leur coupe le pif. J'ai des trucs chauds avec des chaînes. Au milieu du 16e, oh là. Pour chassant les puceaux en fuite, le démon du sexe m'invite. Bonne et là mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oui, 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 sur mon balai, maudit. Je suis éternel, plus petit. Je fais bouillir des mecs de bandit. Je mange des crapauds, des rats tout pâlis. Je fais des potions pour séduire les hommes. Puis je les mords quand ils dorment. Quelques bestioles dégoulinantes. Ce soir je fais du bœuf pour pipi, car c'est la fête aujourd'hui. Que tout finisse une fois. Et c'est le cas ce soir du cirque Zalébor. Attends, laisse tomber. Alors je vais vous présenter la petite troupe de cette année qui a accompli un travail absolument extraordinaire car à 15, monter un spectacle comme ça, c'était dur. Robert. Alors je vais vous présenter cette troupe en commençant par celui que vous avez vu par quelques apparitions qui était derrière là-bas, ces petits boutons, c'est Philippe. Ouais. Ça, c'est Frida. Ouais. De son vrai nom Monique. Ici, c'est la relève avec François. Ouais. Nos deux présentateurs, Jean-Daniel et Nicolas. Notre très pulpeuse vampire est là, Martin. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu son chat, en tout cas lui, il ne l'a pas retrouvé. Gérald. Ouais. Au plus de ses numéros, elle maquillée de la tête, Corinne. Ouais. Notre chef accessoiriste. Bonsoir. Alex. Ouais.
L'autre relève, Gilles. Et cette fille joue le mot de la poulie très fort parce qu'elle avait de la fièvre, des maux de vent, des maux de tête. Et elle est sur scène quand même pour vous. C'est Giovanna. Notre très charmante Sandra. Elle a un fans club, elle a un fans club, oui, oui. Sandrine. Ça, c'est le petit frangin, Zalébor Junior. Et le directeur bien-aimé, Jean-François. J'y suis à remercier tous les coupeurs et les parents qui ont supporté les répétitions du Cirque Zalébor. Et je vous promets, c'est pas triste pour ceux qui n'ont jamais vu. Et tous ceux qui veulent bien sont invités ici même tout à l'heure, après 15 minutes, pour boire l'apéro pour ces 10 œufs. Nous vous attendons nombreux. Le gâteau, on le garde pour nous. Et puis pour les jeux de mots, hein, ceux qui veulent participer au concours, c'est ouvert. Je vous dirai pas combien il y en a. On sait même pas. Il le sait pas, il le sait pas. Bref, vous avez tout gagné. Celui qui crie là-bas, c'est celui qui a fait le sketch. Hein. Ah, on peut l'applaudir. Et puis, ça, c'est pour... Et allez, c'est tous en même temps. Allez. Alors, ouais, on va souffler. Allez, tout le monde là. Alors, je tiens à vous remercier encore beaucoup pour vos applaudissements. Et bonne retraite de vos caravanes. Et ne craignez pas, l'année prochaine il y aura une animation de le Cooping d'Orb. Ça sera pas le Cirque Zalébor, mais ça sera quelque chose quand même. Au revoir et merci.